bienvenue. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, moi je l'ai remarqué, je crois qu'on a atteint les 2000 abonnés. Et super, donc on va faire le point. Je vais faire le point, là, on va faire un blabla un peu. On va faire le point sur ce qui s'est passé depuis 1000 abonnés, en fait. C'est-à-dire pas grand-chose. C'est un peu quand même, j'ai 2-3 trucs intéressants. Et puis, je vais vous présenter ma nouvelle acquisition, ce que j'ai rentré la semaine dernière. La semaine dernière, vieille perceuse. Donc ça, on en parle après. Donc là, tout de suite, on va faire un petit peu blabla. Donc tout d'abord, merci. Merci à vous, parce que si je suis atteint 2000 abonnés, c'est grâce à vous. C'est un peu grâce à moi aussi, parce que si je faisais... si c'était pas intéressant, vous ne seriez pas là. Je sais que mes vidéos sont regardées sur un mois à peu près, chaque vidéo c'est entre 5 et 700 vues, donc c'est pas mal. Je sais que tous ceux qui regardent ne sont pas abonnés, ça je le sais aussi, donc c'est bien de vous abonner. C'est bien aussi de mettre des petits pouces si vous voulez me soutenir, parce que mettre un pouce vers le haut ou vers le bas, ça veut dire que déjà vous avez regardé la vidéo. Donc si vous avez regardé la vidéo ou pas, YouTube rentre dans ses petits algorithmes. Et puis dit, tiens, quelqu'un a réagi sur cette vidéo, c'est bien, je vais le mettre dans mes algorithmes, c'est pour les autres. Donc entre une vue et un pouce, c'est bien pour moi. Les vues en plus, à chaque fois que quelqu'un clique sur ma vidéo, je touche rien. Mais c'est au bout de, je crois qu'il faut 1000 vues pour faire 1 €, un truc comme ça. Donc voilà, c'est toute petite pierre à l'édifice à chaque fois. Donc depuis, je ne sais plus quand est-ce que j'ai passé les 1000 abonnés, ça devait être au mois d'avril ou au mois de mai. Donc j'ai déjà, je vais être transparent, hein, ça a été difficile au début d'incrémenter parce que YouTube ne paye qu'à partir d'une certaine somme sur le compte. Donc c'est comme ça. Donc pour le moment, j'ai touché 2 fois 90 ou 85 euros à peu près. Donc sur ces 4 derniers mois, j'ai touché, j'ai dû toucher en septembre et puis fin novembre là, ou début fin décembre plutôt. Donc ça paye de l'électricité, c'est bien, c'est déjà pas mal. Moi c'est ce que je fais à peu près 80 balles tous les 2 mois d'électricité pour l'atelier. YouTube me paye l'électricité, j'en suis content. J'aimerais bien que YouTube me paye beaucoup plus, comme plein d'autres. Et c'est comme ça, ça va venir. Donc si pour que ça vienne, pour qu'ils fassent des vues, c'est vous. C'est vous, c'est vous mettez des petits pouces, et des petits pouces comme ça ou des comme ça, je m'en fous. Bon, les comme ça, ça fait pas plaisir. Mais bon, on fait avec, hein. On se remet, voilà. Je sais qu'il y en a un ou deux qui se mettent un plaisir de mettre systématiquement le premier jour où je mets la vidéo. C'est votre choix, rien à foutre. Mais si à la rigueur, dites-moi pourquoi. Peut-être que je pourrais y remédier, voilà. Donc j'ai parlé rémunération, j'ai parlé statistiques YouTube, et puis voilà. Donc ce qui va continuer, je vais essayer de travailler un peu pour vous. Si vous avez des trucs à me demander un peu particuliers, de moutons à 5 pattes, mais pas trop 6 pattes, mais 5 pattes c'est déjà pas mal. Des petits chantiers pas mal, des trucs qui peuvent occuper, qui peuvent faire des vidéos intéressantes ou pas, parce que je filme pas du tout ce que je fais, parce que j'ai pas le temps. Des fois il faut que j'aille vite. Et en faire une vidéo, on perd, je dirais, 25% du temps, voire 30% du temps. Donc, ça se calcule hein, dans le temps à passer. Donc, des fois, il faut que j'aille vite. J'ai 4 heures, 6 heures, 8 heures, une journée pour faire un truc. Donc, je filme pas, je fais pas tout. Donc, ce qui fait qu'il y a du contenu qui passe pas. Bon, c'est pas grave. Des fois, c'est pas du tout intéressant. Là, j'ai travaillé sur une CX. J'ai rien filmé. C'est pas intéressant, une CX. Voiture d'ingénieur, j'ai plus juré, donc ça ne serait pas vraiment passé sur YouTube. Juré, c'est pas bien. Que souris pendant cette intervention. Et puis j'ai pas fini. Donc pour l'instant, la moto est en stand-by pour l'instant parce que j'ai une grosse modif à faire, mais je voudrais même avoir du temps devant moi pour le faire. J'ai passé une semaine sur le disco parce que j'ai changé moteur boîte de transfert, boîte de vitesse.
Parce que bah rouler avec les trucs qui se remettent en route ou pas, et la boîte de transfert suintait, elle est pas mal. La boîte de vitesse avait des vitesses qui raccrochaient, donc au lieu de me faire chier à la démonter, à la refaire, j'en ai trouvé pour pas trop cher, j'ai été la chercher en Normandie. Et j'ai remplacé ça, ce qui fait qu'en 2 après-midi, j'avais fait le remplacement et ça c'est très très bien, ça va vite. Puis j'en ai profité pour faire divers trucs qui restaient à faire dessus. Voilà, les projets à venir, j'aimerais bien faire encore d'autres machines. Bon, la restauration de celle-là, je ne sais pas, parce que ça va être beaucoup du grattage de crottes. Il y a 2-3 pièces à fabriquer ou à nettoyer, à refaire un petit peu, mais il n'y a rien de méchant, elle est très fonctionnelle. Donc je ne sais pas si je vais faire une vidéo sur ça. Bon, on verra. On verra. Je sais qu'il y en a qui arrivent à faire 25 ou 30 000 vues sur la restauration d'un sécateur ou d'une pince. Donc ça me plairait, mais je vois pas l'utilité. Voilà, je pense que c'est intéressant de faire ça. Mais bon, c'est pas grave, il y en a qui aiment bien. Quoi d'autre? Je vais, comme je dis, je vais continuer. Ça va être pareil. Être moi, faire des conneries, à faire. Et puis voilà. Donc aussi pour la suite, j'aimerais trouver, je vais voir à rentrer en contact avec deux trois commerciaux que je connais, trouver un petit sponsor, un mec pour qui je citerai le nom, peut-être que je montrerai le matériel. Pas du matériel électroportatif, ça je sais ce qu'il faut et je sais ce que j'ai. Les machines-outils, moi j'ai que de l'ancien parce que en fait, limite, je préfère. Moi, si quelqu'un veut me donner un centre d'usinage, je suis preneur. Des postes à souder ou des machins, c'est pareil. Non, c'est du consommable, c'est-à-dire des bandes pour le tank, des papiers abrasifs pour la ponceuse, des disques à lamelles pour la disqueuse, des disques à tronçonner. Des lames de scie à ruban, pourquoi pas. J'aimerais me trouver, ce qu'il faut enfin que je me trouve, c'est une scie à onglet pour le métal, à onglet, mais pas une disqueuse, une vraie scie, parce que je perds un temps fou quand je bricole à faire mes découpes à la disqueuse et puis à la reprendre à la fraiseuse. Donc je me ferai une vraie scie d'atelier, quoi, qui coupe, qui débite, et puis on est à la longueur pile poil, on est d'équerre par rapport à ce qu'on coupe. Et voilà, donc je le mettrai, je sais pas où, là. Donc là, j'avais prévu d'aménager le coin où il y a le tour à repousser. Il faut que je fasse une étagère, au-dessus, une grande étagère de 6 mètres de long et d'un mètre de large, pour mettre du bazar, encore du bazar, mais du bazar qui me sert rarement, mais qui me sert. Ou des trucs à ranger, pas lourds, en stand-by, ou voilà, parce que je commence à plus avoir de place au sol. Et donc, il faut que je range les choses là-haut. Je ne veux pas me séparer de tout parce que je sais que c'est généralement quand on se sépare de quelque chose, on en a besoin la semaine d'après. Donc, j'ai la bétonnière, j'ai la brouette, des conneries comme ça. Donc, on fout tout ça là-haut. On monte ça avec le palan. C'est pas lourd. Ça monte, ça tient. Et puis, voilà. Puis, j'ai du matériel aussi qui me reste là. Un escalier qu'il faut que je monte un jour. Donc, c'est pareil, ça irait bien là-haut. Et puis, d'autres trucs, mais enfin, bon, bref. J'aurais le choix de ranger autrement, ça me ferait un petit toit au-dessus du tour à repousser, que je pourrais mettre de la lumière au-dessus. Et puis voilà. Donc le tour à repousser, on va en parler un peu quand même. J'ai été contacté quelqu'un qui a eu pitié de moi, qui est ornementiste, un truc comme ça. Il fait des. Donc, il s'appelle Jérémy. Et il m'a juste proposé de m'apprendre. Sauf qu'il est là-bas en Charente. Là-bas, je crois, voilà, il semble très loin d'ici. Moi, je suis Île-de-France, hein, Est, côté Champagne. Donc, voilà. Donc, c'est pas que je veux pas, hein, je suis super motivé. Hein. Il m'a donné 2-3 conseils par mail, par message. Et on va donner suite. Je vais donner suite, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà. Je suis en contact avec plein d'autres youtubeurs. Pas forcément des gros qu'on connaît, des petits qui font plein de petites choses. Il y a Julien, le voisin, il est pas loin, il est côté de Meaux là-bas. Lui, c'est Récup Projet, lui fait de la bière. Il va falloir que je goûte sa bière, un de ses quatre, parce qu'à chaque fois on en parle et j'y goûte jamais. D'autres, un peu plus loin, un peu partout en France, dès qu'ils m'ont proposé de venir, dès qu'ils m'ont proposé de faire des choses. Donc, je vais un jour, je ferai un tour de France.
J'irai voir des abonnés, j'irai voir d'autres youtubeurs, et ça va m'occuper pendant mes vacances peut-être. Et puis je ferai du bivouac avec le 4x4, donc ça c'est impeccable, un petit, ça peut être des vacances super sympatoches. On verra, ça c'est juste un projet en aparté. Et pendant qu'on en est à parler de petits youtubeurs, j'ai des abonnés qui sont youtubeurs, vous reconnaîtrez. Il y en a des abonnés de longue date, presque le début. Il y a Madfou, lui, il fait du vélo, il bricole du vélo. Bon, c'est son univers. Moi, j'adore. On peut ne pas aimer, mais moi, j'adore. Il est génial, ce type, ce truc. C'est un mec très gentil. Et j'ai eu une fois une galère, il m'a trouvé une solution. Bon, ça s'est pas fait, mais il m'a trouvé une solution. Ça, c'est sympa. Un autre abonné aussi qui a une chaîne, c'est Franco Metallo. Alors, lui, il fait des petites vidéos. Il s'y est mis au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus. Ça fait un moment que je lui disais, vas-y, fais des vidéos. Et en fait, il s'est mis à faire des petites vidéos. C'est très didactique, très bien expliqué sur l'usinage. Comment positionner des pièces sur un tour, sur une fraiseuse. Le matériel qu'il utilise, c'est du truc pour presque tout le monde, on va dire. C'est du matériel qu'on peut acheter dans le commerce ou qu'on se fabrique. Et ça, c'est vachement bien. J'ai un autre abonné aussi qui fait des sculptures en chocolat. Ça, c'est génial. Et puis, bon, bah, après, il y a Alexis, hein, le sauvage, hein, avec sa chaîne d'autonomie. David aussi, qui a son camping dans la Manche, il faudra que j'aille voir. Et puis d'autres. Voilà. Allez, de toute façon, j'en ai oublié plein, c'est sûr. Autre chose, peut-être rien. Pour l'instant, rien. La publicité, ça doit vous faire chier. Je gère pas ce qui est, je gère pas. Il paraît qu'on peut gérer les annonces. Je ne sais pas comment. Il doit falloir se pomponner toutes les annonces une par une et dire oh, je mets celle-ci là et celle-là là. Logiquement, je clique pour qu'il n'y ait pas de pub au milieu de la vidéo. Donc certainement que je perds de l'argent là-dessus parce que j'ai moins de vidéos qui viennent, moins de pubs qui s'incrémentent. Normalement, il doit y avoir avant, après, et des petits bandeaux en bas, mais rien qui coupe en plein milieu de la vision. Je sais pas. Moi, personnellement, je ne peux pas trop le voir. Donc, bon, c'est presque à vous de me le dire. J'espère que ce n'est pas trop pénible. Comme je dis, bah, c'est de la pub, elle me donne 80 balles tous les 2 mois. Et bah, c'est de l'argent, je crache pas dessus parce que les temps sont durs. L'année du 2020, là, avec le Covid, aïe, 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 j'ai un max de projets qu'on devait me faire, qui fait m'apporter du travail et bah, de l'argent. C'est ce qu'il faut dire ce qu'il y a. Et bah, because Covid, les gens, bah, plus de sous, hein, parce que travail, chômage partiel, travail temporaire, plus de travail du tout, parce qu'il y a des intermittents du spectacle, et pareil, qui m'avaient demandé des choses. Bah, intermittents du spectacle, dans la restauration, ils disent juste, bah, on verra quand je travaillerai. Donc voilà, donc les temps sont super durs pour tout le monde. J'espère que 2021 va être mieux, j'espère que tout va aller bien. Et puis voilà. Donc je vous dis, si vous avez du travail à me faire faire, bon, j'ai de l'avance, hein. Pour l'instant j'ai encore des commandes. On crève pas la dalle. Ma compagne est très aidante. Merci Odile. Et voilà, on fait comme ça. Si vraiment un jour je crois que ça ne marche plus, bah, et que je ne paye plus les factures. Hein. Pour l'instant, je suis à l'équilibre comme ça. Et un jour ça ne fait plus, bah, faire autre chose. On tournera dans un bureau, j'ai pas envie. Je suis très demandé dans le bureau, mais j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Donc j'espère que je vous ai pas trop fait chier de mon blabla. Parce que moi quand je suis parti, je peux être parti longtemps. Oh ça va me revenir d'autres trucs et puis je réincrémenterai des machins derrière. C'est le montage de la vidéo, c'est génial ça. Ouais, ça c'est long à faire aussi. Enfin, je me débrouille. Vous vous plaignez pas trop du montage, je suis content parce que bon, j'ai pas des super belles images à faire pâlir d'envie un cinéaste. La lumière, je fais à peu près ce que je veux, la caméra c'est toujours la même. Et bah, le montage, je fais du montage comme ça. Je mets pas de musique parce que moi, pour moi, c'est peu important. Parce que la musique, je vais mettre une musique qui me plaît moi, qui ne plaît pas forcément aux autres. C'est rien de pire que quelqu'un qui met une musique de merde ou qui te plaît pas, et puis que tu es obligé de te pomponner ou tu coupes le son, ça c'est chiant. Ou qui parle, et puis la musique couvre ce qu'on dit, ça sert à rien.
Donc pas de musique, c'est comme ça, un peu la musique là-bas. L'autre fois, je me suis fait avoir sur une vidéo où c'était même pas la musique, où YouTube m'a dit que je devais des droits d'auteur à quelqu'un parce qu'il y avait sa musique sur le truc. J'ai fait une réclamation comme quoi il n'y avait pas de musique. En plus, le morceau qu'il me donnait, c'était juste un endroit où je faisais juste blabla, qui expliquait, j'étais en train d'expliquer pendant 2 minutes ce que j'étais en train de faire. C'était sur la fonderie. Et il m'a dit que c'était que plus quel morceau de salsa ou je sais pas quoi. Donc j'ai fait porter une première réclamation. Ça a duré 15 jours. Et au bout de 15 jours, YouTube me dit que la personne propriétaire des droits confirmait que c'était bien son morceau. Ça veut dire que c'est des gens qui sont pas honnêtes. Parce que s'ils ont confirmé, c'est qu'ils ont à écouter, et je pense que dès qu'on leur propose 4 balles, de toute façon ils les prennent parce que c'est des rapaces. Et donc bah, j'ai démonétisé cette vidéo parce que je vois pas pourquoi j'aurais bossé pour que quelqu'un d'autre touche l'argent. Voilà, c'est clair que c'est comme ça. Donc la musique, je fais gaffe, j'ai un peu baissé le son de la musique derrière. Où, quand il y a de la musique un peu plus fort, le son et la vitesse est augmentée. Donc je fais gaffe avec les droits d'auteur parce que ça va être de pire en pire. Et puis toute la protection intellectuelle de tout ce qui est fait, machin, patin et coutin, et couffin. Les marques et les bidules, bon, j'ai pas encore mis d'encart au début pour prévenir que je plaçais des produits ou pas, je place rien pour l'instant. Ou si je place des trucs, c'est des trucs que je vends. Voilà, c'est tout. Je pense que vous êtes assez grand pour comprendre que c'est comme ça. Peut-être qu'il faudra que j'y vienne, on verra. Allez, ce coup-ci. Présente la bestiole. Donc, c'est une ancienne perceuse à colonne. Donc, à transmission par courroie. Je suppose même que avant qu'il y ait le moteur électrique là-bas dans le coin, c'est un 3 chevaux, hein, 2,2 kW. Donc, avant qu'il y ait ce moteur-là, de la poulie qui là devait être une poulie dans ce genre-là, qui devait être reliée à un arbre dans une usine. Je vois que ça. Donc je l'ai sorti d'une ferme. Bon, pas une vieille ferme. Il l'avait depuis, m'a dit 10 ou 12 ans. Il s'en servait un tout petit peu. Elle est juste dégueulasse. Mais c'est de la crasse. C'est de la crasse, de la vraie crasse. Donc c'est vraiment que de la crasse. Hein. Il faut gratter hein, en dessous. Il y a du métal, il y a même de la couleur, je crois qu'elle est noire en dessous. Enfin, ça, c'est du stockage. C'était une ferme où ils faisaient de l'élevage de poulets. Donc, il y avait un silo à grains dans le coin. Donc, poussière, hein, plus là, peut-être du. Plein de choses. Enfin, bref, elle a une odeur de grains pour les poulets en bas. Tout ça, ça a gratté. Ça, ça a gratté, oui. Faut gratter, c'est rien, c'est pas méchant. Un gros nettoyage, et puis bon, pour l'instant, elle est fonctionnelle. Alors, la marque, c'est ça. La marque, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est la marque. Un ovale avec un G, un R et un C. Voilà, ici, nous avons. Pas trop de lumière parce que on voit pas bien. Le numéro 5083, je crois. Hop, je coupe. Un truc comme ça, ou 60. Enfin, bon, bref. Je pense pas que ce soit l'année. Donc, c'est une machine avec avance automatique. Ça, c'est ce que je cherchais. Alors, l'avance automatique, ça veut dire que. Donc là, il y a 4 vitesses, je crois, ou 3 vitesses. 1, 2, 3. Alors, à quoi ça correspond, j'en sais rien. Et ben, au nombre de tours de la colonne, en fait, elle descend doucement. Donc là, moi, j'ai 4 vitesses. On voit bien. 1, 2, 3, 4. Pareil là-haut. Et une boîte avec 2 vitesses. Lente et rapide. Oh, il y a une réparation qui a été faite là. Oui, c'est une réparation qui a été faite là. Le gars qui me l'a vendu m'a dit qu'elle a été cassée.
C'est possible, il y a une réparation là, il y a une réparation là. Et vu la gueule de la réparation, ça n'a pas été fait il y a récemment. Je dirais même que c'est une réparation qui a peut-être été faite dans les années 50, voire avant. Parce qu'après, ils ont eu, pour ressouder la fonte, il y avait d'autres méthodes. Enfin bon, ça là est pas mal. Bon, l'attraper à la sangle, au Manitou et tout ça, j'ai chargé, déchargé à la grue pour bouger. Hein. Donc c'est solide. Cassera pas. Donc il y a deux, trois pièces à revoir. Donc ça, par exemple, là, la commande de descente, enfin manuelle, bah, elle est cassée. C'est pour ça qu'il y a un serflex. Il y a un serflex là et bah, ils ont dû mettre, parce que c'est des cônes qui rentrent ces trucs-là, et ils ont dû taper un peu fort, là et là, puis ça l'a juste cassé. Donc bon, c'est. Soit on refera cette pièce, je sais pas. Je la démontrerai, je regarderai comment c'est foutu. Soit c'est peut-être garder l'âme et puis refaire une pièce autour, ou peut-être juste manchonner un truc à la presse. On verra. Donc là, on embraye ou on débraye l'avance automatique. Là, il y a un réglet pour la descente. Donc ça descend, ça remonte. Alors ce qui est vachement bien, ce qui est vachement bien, c'est qu'on voit là dans le trou là, il y a une petite chaîne. Et en fait, dans la colonne, il y a un contrepoids. Et normalement, ce contrepoids est censé remonter, remonter de la tête, bah, tout le système. Donc le boîtier mis en route, bon, c'est un boîtier à l'ancienne. Hein. J'ai refait tout le fait câblage électrique parce que c'était. Ça par contre, c'était pas terrible. Il y avait les trois phases d'arrivée sur un 3G, un 3G25. Donc en fait, une des phases passait dans la file de terre. Donc voilà, la file de terre arrive en bas et toute la machine est à la terre par le boîtier. Oui, par le boîtier. Donc là, tout le boîtier est là, la terre. Donc après, c'est plus utile de remettre le machin. Tout est relié. Et donc, j'ai refait le câblage électrique, donc c'est un peu mieux. Au niveau du mandrin, c'est un mandrin automatique. Il n'est pas jeune, hein. Mais automatique, il sert bien en plus. Le cône, c'est un CM3. Là, ça va être un CM2. Si je dis pas de conneries. Bon, un CM2 et un CM1. Non, ça va être un CM3 et un CM2. Ah, le 4 est plus gros. Ici, il y a le blocage de la table. Donc la table pivote. Et la table tourne. Et la table monte et descend. Et tout ça fonctionne très bien. Et juste crade. Juste crade. Voilà. Et tout ça fait un poids de dingue. Je l'ai sorti. Pour la ramener, je l'ai mis dans le J9. On l'avait couché sur champ, sur une palette là-bas à la ferme, avec le Manitou, ça allait très très bien. Puis il me l'a chargé avec le Manitou directement dans le J9, c'est impeccable, hein, pour la sortir. J'ai attrapé avec ma petite chèvre d'atelier toute merdique là. Oh, elle a guidonné dans tous les sens, elle a pas tout sorti. Et après, je l'ai posée par terre et pour la relever, j'ai pris ma grosse grosse chèvre. Celle-là, là, la grosse chèvre. Ça lève 2 tonnes. Donc ça, avec ça, ben, ça rigole moins. Ben, je l'ai relevé non nickel, puis je l'ai posé là. Donc, ben, c'est une transmission à courroie. Va falloir que je change ça. Parce que ça tient, mais ça tient pas. C'est un petit peu cassé, c'est rouillé. Bon, vous savez que j'ai ce qu'il faut pour le faire, donc c'est pas un problème.
Et donc, il est monté dessus, vaut ce qu'il vaut, il fonctionne, il a le mérite de fonctionner. Bon, il est fixé, il faudra que je le vire, de toute façon. Bon, il est là comme ça, c'est pas mal. Voilà, voilà. Donc maintenant, petit fonctionnement. Alors, comment ça fonctionne? Quand le moteur tourne, on met directement, on embraye l'avance automatique. On choisit sa vitesse de descente. 1, 2, 3. Oui, 3, c'est ça. Toc. On entend le clic de la bibille. On va rester sur celle-là. Donc, et suivant, bah forcément, suivant la vitesse lente ou rapide, ça va descendre plus ou moins vite. On met en route la perceuse. Ça fait du bruit, un peu. Donc là, si je veux comme ça, je peux m'en servir sans l'avance automatique. Et hop, si je veux l'avance automatique, je serre ça et ça descend tout seul. Et normalement, hop, on desserre et ça doit remonter tout seul. Mais ça ne le fait pas. Donc là, vous allez voir. Comment ça fonctionne? Je vais mettre mes mains là, hein, et comme ça on verra bien que ça descend tout seul. Donc on met en route. Voilà, déjà on voit bien comment ça descend. Le mieux est de le voir en réel. Donc en condition réelle, je vais prendre un bout de métal. Hop, qui ne me sert à rien. Je mets la forêt dans le membre. Alors. Donc là ça va venir descendre par là, hop, on met en route. Là, on s'aperçoit qu'on n'a pas bien serré le mandrin.
Voilà. Je voulais une descente automatique. Donc voilà pour ma nouvelle machine. Je voulais une perceuse un peu plus balèze que celle que j'ai là-bas, qui est pas mal, mais c'est une Rhino. Donc Rhino, bah, vous savez ce que c'est Rhino, hein, c'était vendu dans les supermarchés dans les années 80. C'est pas des mauvaises machines, mais c'est très limité. Et puis, je voulais surtout une vieille machine. Je voulais une machine avec une avance automatique parce que c'est pratique. Hein, on fait le trou, toc toc, ça descend tout seul. Il suffit que le forat soit bien affûté, puis qu'on sert bien le forat dans le mandat. Hein. Et puis, bon, je vais la restaurer doucement, morceau par morceau. Je nettoyerai la boîte, je regarderai. Bon, tout est gras, tout est lubrifié, il n'y a pas rien qui est sec. Hein. Donc voilà, tout va bien. Voilà, je la referai doucement, un nettoyage. Bien nettoyer tout ça, refaire des pièces, on verra comment on fait. Donc, voilà. Ça se fera tout seul. Je voulais une perceuse donc ici, parce que, en fait, comme l'autre est là-bas, l'atelier derrière, c'est pas forcément pratique quand je bricole là. C'est pas forcément pratique quand je bricole là pour faire des trous. Je fais tout à la perceuse à la main. Et ma perceuse là, elle est pas pour un an. Oui, pas un an, hein. Je l'ai acheté juste avant le confinement 2020, donc février ou début mars, je sais plus. Je dirais pas qu'elle est déjà bonne dans la poubelle, mais elle fait un bruit terrible. Je pense qu'elle va pas finir l'année. La ramener, ouais, je sais même pas si j'ai gardé le ticket de caisse, les payer 39 euros, ben voilà, c'est du Merlin Pimpin, on va dire, hein. C'est leur marque. Hein. La première que j'ai eue comme ça, j'en étais très content. Et elle a claqué parce que j'ai fait une connerie avec. Mais là, celle-là n'a pas tenu. Bon, c'est comme ça. Puis les grandes marques, c'est pas mieux. De toute façon, en électroportatif, on est mal loti, à moins de mettre très 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 cher. C'est qu'une perceuse à tout venant, quoi. Donc je voulais une perceuse ici à Cologne pour faire mes trous. Pas loin, donc je travaille là, toc toc toc, ça m'évite des allers-retours parce que les allers-retours, c'est fatigant, ça perd du temps. Et voilà. Donc je pense qu'avec ça, je devrais faire le tour, et puis je peux mettre des forêts à cônes comme j'en ai plein. Donc ça c'est bien. Tout ça c'est dans le coin, donc c'est impeccable. Donc si vous avez d'autres vieilles machines comme ça à donner ou à vendre pas cher, vous me le dites. Hein. Je suis preneur, hein. Autant ça qu'une scie, que si soit les scies alternatives, soit les scies à disque, soit je voudrais que je change ma fraiseuse, bon, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'elle commence à être vieille et pleine de jeux, et j'aimerais bien un truc un peu plus sérieux. Bon, ça c'est autre chose, ça c'est l'aparté. Voilà, non, non, mais vraiment, les vieilles machines, moi je suis fan, plus j'en ai, plus j'adore, et puis je me dis pourquoi se taper de la merde moderne chinoise, autant acheter ça, quoi. C'est mieux. On en trouve de moins en moins, ils ont tout été ferraillés, parce que forcément, pour que ça fait, les ferrailleurs sont contents. Mais bon. Donc voilà, un appel comme ça, si vous avez du vieux matériel, dites-le moi, je peux être preneur. Voilà, donc on arrive au final. Si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si ça vous a amusé, si vous avez appris quelque chose, si vous avez aimé me voir faire blabla comme ça, vous mettez un petit pouce. Hein, c'est important les petits pouces. Comme ça, important. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour me joindre, tous les liens sont dans la description. Il y a le mail, il y a la page Facebook, Fred Custom Garage. Il y a à peu près 10% de Fred Custom Garage. J'ai 10% d'abonnés par rapport à la chaîne YouTube. Ça va venir, je ne m'inquiète pas. Ça, c'est pas les mêmes personnes, je pense pas. Donc voilà. Allez, sur ce, à la prochaine. Au revoir. J'allais aussi oublier un truc très très important. Bonne année 2021. Je sais, on a déjà dit ça il y a un an et ça a foiré. Mais là, il faut espérer, quoi. Je ne dirai rien du tout à propos de ce qui peut être vaccin, tout ça. C'est pas. Je suis pas là pour ça. Je ne fais pas de polémique, je ne fais pas de politique. Je n'ouvre pas ma gueule là. Je fais juste bonne année. Bonne année, portez-vous bien, mettez-moi plein de pouces.
La santé, l'argent, la réussite, l'amour, tout ce que vous avez besoin, toute la réussite, tout ce que vous voulez pour 2021, mais surtout, bonne année. Allez, au revoir!